Donc encore une fois, merci d'être venu pour se délibérer. Comme vous avez vu, ça a été assez court. Donc les conclusions de la juge, c'est que nous sommes donc coupables des faits qui nous ont été reprochés. Nous avons eu tous la même peine, donc 3 mois de prison avec sursis. Madame Odette Lagrenaudie, elle, quand elle a obtenu 8 000 euros de dommages et intérêts. Donc on est un peu sonné quand même parce que même si on pouvait se douter après ce procès fleuve de 4h30 que la justice peut-être elle aussi était aux ordres, mais ça se confirme. Encore une fois, face à un dossier vide, on obtient 5 condamnations de militants. Si vous vous baladez à Bordeaux aujourd'hui comme hier, vous verrez qu'il y a toujours des gens qui dorment dehors par contre, et que les pouvoirs publics qui sont chargés de s'occuper de ces personnes, eux, ne sont jamais condamnés. On se rend compte que la politique menée par Sarkozy, menée par Valls, menée par je ne sais pas qui, c'est toujours la même. Ils nous font peur avec le Front National en nous disant attention à l'extrême droite. Or, on se rend compte que la droite extrême, voire l'extrême droite, est encore et déjà au pouvoir en France. Donc une grande inquiétude pour nos actions militantes à mener plus tard. On sait qu'à Nantes, dernièrement, des copains, des camarades se sont pris aussi des peines de prison avec sursis, voire de la peine de prison ferme pour avoir participé à des manifestations. Chaque jour apporte son lot de condamnation des militants. Chaque jour apporte son lot de peine pour les gens qui essayent, tant bien que mal, d'être solidaires et de montrer un petit peu de conviction politique. Dans un pays où on nous dit que les gens n'ont plus de conviction politique et ne votent plus, on essaye, nous en tout cas, d'agir au plus près de nos frères et sœurs qui se retrouvent dans le besoin. Voilà la réponse de la justice. Donc pas de justice, pas de paix. Donc on ne lâche pas l'affaire, on va continuer. On vous remercie encore d'être venus. On va continuer à se mobiliser. Pour nous, pour l'ensemble des camarades qui à Bordeaux et ailleurs subissent des pressions et de la répression. Je rends hommage à Génération Palestine qui organise très prochainement un rassemblement pour la Nakba et qui a été convoqué X fois au commissariat pour avoir des explications. Donc vous voyez, ça ne s'arrête pas aux dalles malheureusement. Donc il faudra encore se montrer solidaire et surtout essayer de... Là je m'adresse à des gens dont la plupart militent déjà beaucoup, donc voilà. Mais essayons d'être encore plus nombreux à rejoindre les associations qui se préoccupent des autres pour pouvoir être plus forts face à cette justice qui n'en est pas une et pour montrer au pouvoir politique qu'en France comme ailleurs, la solidarité n'est pas un crime et que nous ne lâcherons pas l'affaire. On lâche rien ! On lâche rien ! Allez ! Appel ou pas appel ? Sans doute appel. Ouais. Après un délai de réflexion, nous allons choisir de savoir si nous interjetons appel ou non. Un petit délai de réflexion que nous 10 jours. Nous avons 10 jours. Par rapport au fait qu'on a été condamné à cause des personnes à la rue, François va vous faire un point rapide sur les derniers squats, notamment des Roms qui ont été évacués à Bègle, pour vous dire que notre action, malheureusement je dirais, parce que le but du DAL c'est de disparaître, le jour où il n'y a plus de DAL ça veut dire qu'il n'y a plus de gens dehors, donc malheureusement notre action a encore du sens. La même insupportable chasse aux Roms se poursuit à travers toute la Cube. Comme vous le savez, dernièrement à Bègle, par 2 fois, il y a eu des évacuations de campements, dont aucun ne faisait l'objet d'un projet quelconque, ni ne méritait l'urgence de discussion. Je pense que, comme tous les étés, nous allons avoir affaire au coup par coup, plutôt dans la discrétion, plutôt sans que personne ne sache, à de nombreuses évacuations. Il y a encore de nombreuses familles logées dans des campements ou des squats qui ont été éparpillées après l'évacuation des grands squats qui existaient auparavant, par exemple à Thiers ou à Florac. Donc attendons-nous à ce que, malheureusement, ça se poursuive. Je déplorerais un petit peu que nous ne soyons pas très présents sur ce terrain-là. La plupart du temps, un petit groupe de personnes arrive à au moins faire en sorte que les conditions des évacuations soient, je ne dirais pas décentes, mais moins indécentes. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un peu plus de monde lors de ces situations récurrentes, chroniques et interminables. Pour nous rejoindre, c'est tous les lundis à partir de 20h, 8 rue de la Course, ce fameux local perquisitionné lors de cette enquête. Donc Sud continue à mettre ses locaux à disposition, on les remercie d'être solidaires. Donc c'est tous les lundis à 20h, on est une petite dizaine de personnes encore à tenir la barque, si on est plus c'est bien. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et encore une fois, s'il y a appel, ce qui sera sans doute le cas, on vous demandera de nouveau de vous mobiliser. 8 000 euros, vous comprenez bien que nous n'en sommes pas du tout capables de payer cette somme. Donc si à l'issue de cette condamnation, ces frais sont confirmés, il faudra... faire preuve de solidarité une fois de plus. Alors c'est toujours les pauvres entre eux, hein. On sait bien qu'ici il n'y a pas de millionnaires, ça se saurait, mais on organisera des événements, etc. Et surtout on fera du bruit parce qu'il n'est pas question que des militants soient condamnés. La solidarité n'est pas un crime et un toit c'est un droit. Donc encore une fois, merci à tous et à très bientôt. Excusez-moi, Myriam vient de dire il n'y a pas de paix sans justice. Je crois que c'est le plus beau slogan qu'on doit avoir. Un petit exemple, mais il faut élargir. La bande de Gaza, Netanyahou refuse la livraison de vaccins pour les enfants. Les enfants de Gaza ne sont plus vaccinés, ni pour la rougeole, ni pour la polio, ni pour rien du tout. Alors voilà, il fallait le dire aussi, et il faut qu'on le sache. Merci. Solidaire! Moi, je voudrais prendre la parole au nom de Solidaire. On soutient le DAL déjà depuis le début, on va le soutenir financièrement. On va essayer de mobiliser un maximum de copains. Il y en a pas mal qui sont venus aujourd'hui, mais les gens travaillent aussi, donc c'est pas évident de se mobiliser. Je crois que pour nous, il faut qu'ils fassent appel. On ne peut pas accepter une peine de ce type. C'est impossible. 3 mois avec sursis sur un dossier vide, on va où? On va où? Aujourd'hui, on a un pouvoir en place qui rentre dans la répression. Et la justice joue le jeu du pouvoir. Parce qu'on parle du DAL aujourd'hui. On peut parler du camarade de Nantes qui s'est fait condamner sur une manifestation pacifiste parce qu'on a trouvé des tests ADN sur le fumigène. Il a été condamné à 1 mois de prison ferme. 1 an de prison ferme. Alain Pojola, du NPA, membre du collectif Georges Ibrahim Abdallah, organise une manifestation. Pas lui, mais tout le comité de soutien. Devant monsieur le ministre de l'Intérieur, il est pris, on le considère comme responsable parce qu'il a pris la parole au mégaphone. Condamnation, 3 mois sursis, 5 000 euros d'amende, sur des dossiers vides. Ça veut dire qu'aujourd'hui le pouvoir est aux abois et il va chasser du militant, il va chasser du militant. Et ce qui est inadmissible, c'est qu'aujourd'hui la justice joue le jeu. Les procureurs de la République jouent le jeu. C'est-à-dire que sur des dossiers vides, ils les poursuivent, ils les amènent devant le tribunal pour qu'on y ait des dépenses d'avocats, qu'ils soient condamnés à des peines de dommages et intérêts, qu'ils soient condamnés à 1 000 euros de frais de justice, 8 000 euros où on les trouve. Le salaire moyen ici parmi tous nos camarades, il n'est même pas de 1 500 euros. Mais on ne lâchera pas. Il faut qu'on les soutienne. Il faut qu'on s'adresse à toutes les organisations politiques, syndicales, associatives, pour dire que c'est inadmissible aujourd'hui que des militants se fassent condamner. En tout cas, pour notre part, Solidaire 33, on les soutient, on les loge, on les logera. Notre bâtiment a été visité, il sera peut-être visité encore, on s'en fout, on tient le bon bout. Les militants, comme disait Monseigneur Gaillot la dernière fois, c'est pas que je le cite pour... François dit, je préfère que dire Jacques Gaillot, il disait il y a tellement peu de militants, que le peu de militants qu'il y a, il faut quand même qu'on se les chouchoute, qu'on se les garde et qu'on les protège. Merci. Chose. Moi, je pense que la question de fond, c'est que le droit au logement, il y a des textes qui ne sont pas appliqués. Le droit opposable, c'est de la merde. Que actuellement, il y a une chasse aux Roms qui a délibérément pris un parti raciste de stigmatiser une part de la population en disant que ce sont des ministres qui ont dit ça, qui n'avaient rien à faire ici et que leur vocation était de retourner chez eux. Et donc, ce qu'on peut considérer, comme l'a dit Myriam, par contre, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'a dit Gilbert, moi je pense que le pouvoir actuellement, il a carrément pris le parti d'une extrême droitisation de la société et de faire une campagne d'opinion pour opposer ce qu'il appelle les normaux aux anormaux, entre guillemets. Et donc, moi je pense que là où on en est, il faut vraiment que tout ce qu'on compte de forces militantes aujourd'hui dans ce pays, vraiment qu'on prenne les choses en main pour faire une vraie campagne contre l'extrême droitisation de ce pouvoir et qu'on fasse parler et qu'on parle et qu'on informe la plupart des gens de ce qui est en train de se passer. Parce que moi je crois que là, il y a quand même un déni de droit, là, ce qui s'est passé là. Là, faire ce qu'ils ont fait, c'est quand même très grave. Ça veut dire que c'est pas de la justice, c'est de la punition de militants qu'on veut intimider, qu'on veut dissuader de continuer, et c'est de faire comprendre aux autres que s'ils bougent le petit doigt, c'est la condamnation, c'est la tôle, c'est la sanction pénale. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une réaction très forte et qu'il faut qu'on écrive des courriers. On verra en intersyndicale, l'intersyndicale bordelaise, si on peut faire un courrier, il faut qu'avec les partis, les associations, les syndicats, vraiment, on soit dans une protestation extrêmement solennelle et qu'on dénonce cette parodie de justice. Voilà, et puis après, il faut appeler à la solidarité concrète avec les gens qui se prennent 3 mois de sursis et une peine d'amende qui est quand même très lourde. 7 000 euros, c'est quand même pas rien. Plus 1 000 euros. Plus 1 000 euros, voilà. Pour les frais de justice. Ça fait 8 000 euros. Et ils savent très bien que par l'argent aussi, hein, on peut tout à fait décourager les gens. Moi, je suis désolée de ce qui s'est passé et je voudrais rajouter une chose. Je regrette qu'on n'ait pas gueulé dans la salle du tribunal pour dire stop à ce déni de justice. Voilà. Mon petit moment promotion, alors déjà Jean-Charles soutien aujourd'hui avec Myriam. Alors déjà premier point, ouais, par rapport à ce qui vient d'être dit, ce serait chouette que les relais soient pris, quoi. Parce qu'on est déjà pas mal à avoir des condamnations avec sursis, à continuer à pourtant, d'après notre bon vieux slogan, ni prison ni répression n'arrêteront nos rébellions. Par contre, on commence à morfler sévèrement, donc pour ma part, je suis poursuivi en délit continu d'ADN, déjà condamné 3 fois. Donc un appel à peau à la rentrée, ce qui ne nous empêche pas de mener un camp sur le laser méga-joule contre le nucléaire militaire le 28 et le 29 septembre, qui sera précédé d'une semaine d'action contre le nucléaire militaire et le laser méga-joule pour dénoncer un peu tous les institutionnels. Bon, là, on demande 8 000 euros, le laser méga-joule c'est 7 milliards d'euros, la modernisation de l'arme nucléaire c'est 20 milliards d'euros, laser méga-joule 50 000 logements sociaux. Voilà. Donc, et on l'a rebudgété encore 50 000 logements sociaux pour le laser méga-joule. C'est bien, on va pouvoir loger 100 000 personnes dans ce truc. Quoi. Donc voilà, il y aura une semaine d'action du 20 au 28 septembre qui se terminera par ce camp. Toutes les organisations sont bienvenues à partir du moment où leur engagement antinucléaire, militaire comme civil, est total et sans concession. Et que voilà, il y a la volonté de sortir du nucléaire et de son monde, de l'absurdité, de la croissance infinie. Être réel, c'est-à-dire que parti politique, si vous êtes présent, choisissez votre compte. Donc voilà, c'était juste un petit moment de promo. Merci. Comme disait Jean-Charles, il est poursuivi pour avoir refusé de donner son ADN. Donc c'est un délit qui est continu, il en est déjà à 3 condamnations. Il se trouve que lors des perquisitions et gardes à vue que nous avons subies cet été, 3 d'entre nous ont refusé aussi de donner leur ADN et leurs empreintes. Donc ce délit-là aussi risque de nous tomber sur le coin du nez. Là aussi, on ne lâche pas l'affaire. Nous, on fichage généralisé des populations et particulièrement des militants. Donc ça, c'est peut-être un procès aussi à venir pour les militants du DAL qui ont refusé de donner leur ADN. Donc des procès en cours et des condamnations sans doute en suivant. Et pour info par rapport à ça, j'étais il n'y a pas longtemps chez les copains bretons. Donc les copains bretons, ils viennent de se prendre 13 procès pour refus de fichage où pratiquement tout le monde a été relaxé. Puisque ça a été convoqué un militant pour une vérification d'identité à la gendarmerie qui arrive avec sa carte d'identité, mais on lui demande quand même de donner ses empreintes, donc ça a été des refus de fichage de cette façon. Ça a été des copains qui ont été appelés pour, qui ont été convoqués et relaxés, mais qui ont été jugés pour incitation à attroupement armé pour les camps de Valogne et les camps de Montabo où finalement la violence policière était beaucoup plus forte que la violence militante. Il n'y avait pas de violence militante, quoi. Donc ouais, c'est ça, c'est que une fois que nos têtes seront tombées, il y aura des nouvelles affiches à arracher pour eux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout aucune opposition, aucune voix qui s'élève contre ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Donc oui, je suis aussi d'accord sur le fait que le problème, c'est même plus que le Front National accède au pouvoir, mais c'est que les idées y soient déjà. Ça, on le dit depuis 2002. On se rend compte que bah, finalement, maintenant, on est vraiment en face de la réalité. Bon, maintenant, il faut peut-être réagir, quoi. On ne peut pas continuer à se laisser arrêter les uns contre les autres. Enfin voilà, la solidarité doit être vraiment très forte, parce que là, ils sont en train de nous prendre les uns après les autres. Notre-Dame-des-Landes, ils vont les chercher les uns après les autres. Sur la manif, ils les arrêtent pas sur la manif, ils vont les chercher. Les copains en Bretagne, ils vont les chercher ou ils les convoquent. Donc là, on est vraiment sur un truc où on a vraiment besoin de solidarité. On a vraiment besoin de... quand il y en a un qui va au Comico, il faut qu'on soit là, quoi. Parce que sinon, on va vraiment s'épuiser. Et une fois que... Bon, que les exemples auront été faits, parce que je pense qu'il y a certaines personnes parmi nous qui veulent faire des exemples. Une fois que ces exemples auront été faits, j'espère réellement que les relais seront pris, parce que voilà, moi je suis encore sous le coup de 6 mois, je risque toujours mes 6 mois de révocation de sursis, plus mes 1 mois de révocation de sursis pour l'ADN, plus quoi. Donc voilà, donc merci pour les soutiens. Oui, mais entends-tu le vol noir des corps. Les mauvais jours finiront égal à la revanche. Quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Ça fait du monde. Ouais, on lâche rien. Et tout ensemble. Et ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. On n'oublie pas ça. Ouais. C'est vrai.